Ah, c'est un peu tard. Bon, allez, c'est parti. On va prendre son petit déjeuner. Ouh. Oh, ça, je suis sûr que ça se voit pas. Tu vois ? Un œuf, du canard, du poulet, tortilla, avocat, fromage. Et du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le lobby pendant qu'on mange et on va se faire un petit spectacle. C'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais pourquoi pas. Du coup, bah, y a pas de goulag, hein, de toute façon. Donc là, ce qu'on va faire, on va sauter et on va complètement oublier de déployer le parachute. On va faire, oh non, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je vais bientôt loot, t'inquiète pas. Ah mince. Et comme on est en stimulus, on va en dessous la map. Regardez, y a des verdances là-haut. Et là, du coup, on revient. Voilà, avec stimulus, tant que t'as 4500 balles, tu reviens à la vie pendant les 20 premières minutes. Mais là, nous, on va décider de... Oh non, j'ai encore dépoilé. Oh non, mais qu'est-ce que je suis maladroit. Oh, je suis très très maladroit. Et du coup, on va voir un petit peu comment jouent les gens dans le lobby. Parce que c'est vrai que c'est quand même la curiosité. Quand tu vois des gens, comment ils jouent. Comment ils jouent les gens. Voir les gens jouer. Donc là, il a entendu quelqu'un. Ah. Oula. 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 Ah ouais, il l'a eu. Chris a entendu du bruit. Oula. Mais en fait, c'est vachement intéressant parce que quand tu vois les gens jouer, tu les observes un petit peu, leurs différentes façons. Bah des fois, tu peux apprendre des petites techniques. Ou en tout cas, tu vois qu'il y a certains énergumènes. Oula, va-t-il le tuer? Bon, j'espère qu'on va pas se taper Louis toute la game, hein. Je te le dis, moi. Allez, va chercher des classes, Louis. On veut voir un peu avec quoi tu joues. Louis, il est le genre de gars à jouer avec quoi, lui. Ah ouais. Ah, mais il est le genre de gars à aller chercher la prime avant même d'agir. Oh, ok. Tu sens que c'est pas le mec qui a un super niveau, mais néanmoins, il est pas timide. J'aime ça. C'est comme ça que tu progresses. C'est pas rafale ton arme, t'aurais pu continuer. Hein. Non. Non. Regarde. Louis. Oh, de la merde. Eh, c'est quand même sacrément de la merde leur serveur. Hein. Bah, les serveurs les plus éclatés au monde. Honnêtement, je connais pas tous les jeux vidéo en termes de serveurs. Je pourrais pas dire c'est le plus éclaté au monde. Mais... je pense qu'ils sont bien placés, ouais. Ils sont bien placés. T'imagines? Solo YOLO. Les mecs, il est là, il fait une bonne game, bon début et tout, et bam! Coupure du serveur. Oh, il doit être vert, rouge, bleu, rose, le gars. Allez, voyons voir un peu comment ça joue dans le lobby, là. On a GavUS. Ouh, une petite Sky Rose. Un amateur, j'aime bien. Il y a un gars au-dessus, il l'a vu ou pas? STG 3 lignes, ok. Un deuxième gars qui arrive. Ça craque. Ça kill. Bien joué. Et il sait qu'il y a encore un gars. Oula, mais il le streamac. Oula, un vrai petit balle de pique là. Ce qui est marrant souvent quand tu vois les gens jouer comme ça, tu dis... c'est pas comme ça que j'aurais fait. Mais visiblement, ça fonctionne bien, donc c'est pas qu'il y a une seule façon de le faire, quoi. Y a pas qu'une bonne façon. Oh putain! Ah bah l'autre, il s'est donné. Il avait pas d'arme. Incroyable! Comment il gagne le combat? Ah, je... bon, même qu'il est terminé, mais on va continuer de regarder... c'était une personne qui a l'air de pas trop mal se démerder.
il a 10 000 balles. Est-ce qu'il va faire le défi des bottes ou pas? Bon, jusqu'à avant, il reste là, ça se passe pas trop mal. Mais tu vois, c'est ça qui est... Mais, alors comment il l'a vu? Mais comment fait-il? Mais c'est vachement intéressant de regarder parce qu'au final tu te dis le mec sur les déplacements si ça, toi il a pas l'air bon particulièrement, tu vois, tu sens que le mec est pas mauvais mais pas non plus le bon joueur. Tu vois, c'est un mec normal quoi, normal. Sans vouloir être respectueux bien sûr, tu vois. Alors mais il le fait bien. Mais il se démerde bien. Et tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, moi je serais à sa place, je me serais déjà fait laser par un mec derrière, je me serais pris une balle de snipe de je sais pas où, etc. Mais pour GavioS, bah ça a l'air de bien se passer. Bon, c'est pas le mec le plus excitant à regarder, hein, je vais te le dire. On prie tous qu'il se fasse canner parce que bon, effectivement, ça serait bien qu'il crève. Qu'est-ce qu'il a pris? Un drone. Oh. Ok, t'es dans les airs. T'es dégoûté, hein? T'es dégoûté, ton drone, il sert à rien. Mais tu vois, il est prudent, il prend son petit drone, il y va doucement, à son rythme et tout. Est-ce que c'est notre sauveur? Alors par contre, personne ne lui tire dessus, hein. Il est invisible le gars ou quoi? Parce que moi j'ai le sentiment si je suis à sa place, je sais pas, il y a un mec avec une automate, une Cooper, un truc comme ça qui me nique quoi. Il y a pas quelqu'un qui veut le buter s'il vous plaît? Une petite balle de snipe dans la tête. Putain, j'aimerais même qu'il y ait une évasion imminente que je retourne là-dedans, tu vois. Oh, puis le gars en face, il a pas l'air mieux, hein. Ah, il est traqué rouge. Tirez-lui dessus, bordel! Mais... Oui, oh, oh, ah oui, il est... Lui, il va mourir. Allez, allez, enfin, il va crever. Enfin! Ah! Ah oui, mais voilà! Mais c'est ce qu'on attendait depuis le début! Beto Junior, merci beaucoup! Beto! Bon, lui, s'il est encore là depuis tout à l'heure, ça doit pas être non plus le rusher fou, hein. Ah, bah, il l'a tué d'ici! Ah ouais? Ok. Ah, c'est l'autre, il a dû aider, hein. L'autre a dû aider, hein. Beto Junior, 3 kills. Techniquement, l'autre con là, enfin l'autre con, pas l'insulter, tu vois, mais l'autre connard, bah il avait quand même 4-5 frags quand même, hein. Ah ma! Le mec il est à 10 mètres, il tente des quicks au snipe. Il est pas dessus du tout, hein. Mais après, les killcams s'est décalé, mais quand même. Ah, elle était belle! Mais tu te rends compte, le gars, il est devant lui comme ça, l'autre en face, jamais il tire. C'est quoi ce truc? Oui, déjà, regardez, il est un peu plus plaisant. L'autre, il était pas inefficace, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il était chiant. Hein. Mais quand même, regarde, la zone où est-ce qu'elle est, les gars... Oula, tu l'as vu derrière aussi. Hein. Aïe, le skin rose! Skin rose, il est à la Cooper, là. Ou non, il est à la gros, le skin rose. Le skin rose, il se barre. Oh, la petite bite. Va-t-il le suivre? Ah, j'aurais joué dans un bon lobby, apparemment, ouais. Bah après, c'est le gros spec, bah, ça va, ça se trouve de l'autre côté, ça slay. Je sais pas, là, on n'est pas du tout dans la zone aussi, donc c'est aussi la partie où, généralement, ça joue un peu plus safe. Hein. Ah, tu dois saigner ça, mais tu vas mourir, frérot.
Voilà, nous avons un TikTok. It's Brittany. Un TikTok. Oh, oh putain, j'ai un petit déjeuner, me donne pas envie de vomir. Bah voilà. Je faisais bien, une petite Cooper. Tu l'as vu en bas. 7 kills, Brittany. Hein. Ah, c'est un peu tard. Oh non! Ah, Hirschel, la variette! Oh la conne! Ah ouais! Oh putain! Ah ouais! Je sais pas si ça va finir sur son TikTok ça, mais c'est pas mal! Ah merde! Bon, là on est tombé sur. On est tombé sur qui là? Doja! Lâcher une petite caisse, Doja. Ah, il est avec 3 kills, lui. Et ça joue Nikita. T'as vu, depuis que le 3 lignes est revenu un peu, il y a beaucoup de gens qui jouent avec. Hein. Elle est stylée quand même, cette Nikita. Avec le camouflage cuivré, zombie et tout. Pas mal, hein. Ah. Oh là, oh là, oh là. Ah, il va prendre le ballon. Il va disparaître le ballon. Ah bah. Ouais, ça valait le coup de prendre un ballon, frérot. Reconnaissance en approche. T'avais déjà. Ah, il a le viseur x4x8. Ok, bien joué, bien joué. Là, les lots pièces. Ah, chef. Ah, chef. Papa. Ah, papa, il l'a bien niqué avec son skin rose. Aïe, 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 aïe. Papa, il a 9 kills quand même, papa. Mets-toi en tir penché, hésite pas. Franchement, si c'est pour avoir un shoot comme ça... Ok, 9 kills en jouant comme ça, le gars il reste dans les coins avec sa Betty, il attend. Je trouve que c'est pas foufou comme technique, mais... Moi je serais mort de rire, il swap sur la type 100 pour buter le gars, il a oublié de recharger, il meurt à cause de ça. Ça serait bueno ça. Ah, moi, je crois... Ouais. Ah, oh, oula, 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 agression là. Il revient. Vous avez les gars du chat. La frappe. La frappe. Ah, alors, y a pas de soucis. Hein. Son AR, il la recharge. Je crois qu'en fait, il doit jamais l'utiliser, les FCG, que pour se déplacer vite, à la limite. Mais il recharge sa chien. Mais je pense pareil. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ah non, mais bien sûr, mais... Ah. Praise the Lord! Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais il est beurré le type! Non mais ouais! Non mais... Je comprends pas! J'ai pas compris le move, le gars! Oh, il a touché un... No way. Attends, mais... Il m'a estop... Attends, mais... What? T'as le sentiment que toutes les balles sont à côté en plus. Hein. Ah, il est pas mauvais avec son automate. Hein. Putain, mais regarde-moi ça, tout le monde qu'il y a derrière. Maman! Ah, bah si tu... C'est...
C'est parce que c'est un décalage, tu vois, tu crois qu'ils touchent à côté, mais... Ah non, mais bah, le drone était vachement utile, tu sais qu'ils sont là, frérot. Enfin, à un moment, c'est soit t'y vas, toi t'attends, mais jette pas ton drone maintenant, ça sert à rien. Putain, y'a trois gars côte à côte. Oh bah là, il a été con, hein. Ah, il prend zéro risque, le gars. Elle a tué Jackie Chan, merde. Ah, il était là. Ouais. Oh, il est 100%, il aurait dû rusher, mais après, il joue safe, dans un sens, tu vois. Mais c'est pas lui qui gagnera la game. Ah, il est quand même à 14 kills, hein. C'est pas dégueu. Je sais pas pourquoi, mais ça me stresse de le voir jouer. Je sais pas, il a une façon de jouer, ça m'énerve. Ah, puis là, il joue... Ah, il joue collé serré la zone, hein. Tu vois, c'est ça, c'est les mecs qui jouent... En vrai, c'est une technique super simple pour faire des kills, hein. Tu suces la zone comme ça, t'attends qu'il y ait un mec qui avance, tu prends une arme pas trop compliquée à manier. Et puis voilà quoi. Tu fais tes petits kills. Ah oui, tue-le. Ah, tu vois, dès qu'il y a une petite sensation un peu plus pimentée, il arrive pas. C'est pour ça qu'il joue safe, hein. C'est parce qu'il arrive pas et il panique. Attends, mais c'est Doja. C'est Doja, c'est le mec de tout à l'heure. Ah, le caveau zombie cuivré comme ça, il est beau, hein. Il est précipité. Et surtout, je trouve, honnêtement, les effets comme ça sur les snipes, c'est nul. Tu vois, l'effet Snoop Dogg avec les feuilles de cana qui sautent quand tu tires, en vrai, ça gâche toute la visibilité, Ça perturbe plus qu'autre chose, je trouve. Vous pensez que c'est Doja qui va gagner ? Plus que 5. Finissez-en une bonne fois. Il a l'air bien parti pour gagner, lui, hein. Tu pourrais essayer de faire une petite opération commerciale. Enfin, sans te mettre dans le gaz, quoi, mais bon. Ok. Doja comme ça. Ah, l'autre il se barre, il te calcule même pas. Non, attends. No way. C'est quoi cet imbécile? Ah bah voilà, Ova. Et il le met à terre en plus. Mais c'est un sketch ce game. Attends, mais je vois pas. Chargement. Ah voilà. Là on est sur Kelnar. À la M4. Qu'est-ce qu'elle est bonne la M4, j'adore la M4. Il a 2 kills. Non, il a 2 kills. Il a 13 kills et ils sont plus que 2. Oh putain, il a la zone en plus. Oh là là. Il y a de la chance que pour les cocus, moi je te le dis. Ah ouh, il a vu. Ça y est. Bon, l'autre est mort. Ah, même pas de. Ah oui, d'accord, pas de silencieux. D'accord. Oups. Là, c'est étonnant de voir quand même ça. Tu vois, genre le gars il joue avec la M4, il a mis le compensateur pour le contrôle du recul. Il a pas mis le silencieux monolithique. Ah, GG. Bon, honnêtement, la game était pas passionnante. Mais GG à lui. Ah, j'ai fini 146ème. Putain, j'aurais... Ah oui, on est 150 alors du coup dans le... Oh. Un GG guys. Comment vous avez trouvé cette petite game spec? C'était sympa ou c'était à chier? Bon, c'était pas non plus... Les gars, regardez, c'était pas non plus, mais bon... C'est finalement ce que les gens jouent, quoi, donc... l'un dans l'autre...
c'est... ça représente un peu ce qu'on a, je pense. Mais après, bon, les mecs qu'on a spec, c'était pas non plus les meilleurs, je crois. Je pense qu'une game à regarder, ça doit être intéressant peut-être le soir, à la limite, tu vois. Où il y a peut-être un peu plus de dynamisme, mais... bon, on est tombé quand même sur une petite perle qui se suicide. Et puis finalement, ça permet de voir différents styles. Et c'est ça qui est intéressant et important, je pense, sur la spec. C'est de se dire qu'il n'y a pas qu'un style de jeu qui peut marcher. C'est vrai que souvent, bah, on s'imagine que c'est le mode tryhard, tu sais, stimulant, couteau de lancer, cancel slide, cancel slide, cancel slide, cancel slide, skin rose et méta. Non, en réalité, c'est ce que les plus joués, parce que c'est ce qui pourrait être considéré le plus efficace. Mais finalement, dans le gameplay, c'est... j'ai envie de dire quelque part, c'est là où tu te rends compte que le positionnement fait également énormément, l'intelligence de jeu fait énormément, énormément, tu vois, pour gagner. Parce que je suis sûr, dans le lobby, on en a vu, hein, il y avait des petits tryhardous et tout, mais c'est pas eux qui ont gagné. Donc, pour gagner, c'est pas forcément le plus tryhardou. C'est bah, celui qui a un peu de chance, bien sûr, ce qu'il en faut, mais celui qui se démerde. Et tu voyais le gars tout à l'heure, là, qui avait pas mal de kills, c'était vraiment un joueur posé, tu vois, genre, il suce un peu la zone, comme ça. Et il va chercher les combats à mid-distance, pas trop loin, pas trop près. Et il fait quelques petits kills, et puis finalement, c'est une technique qui marche pas trop mal. C'est pas une technique très agressive, c'est une technique qu'on pourrait critiquer si on se fait tuer par ça, mais techniquement, bah, ça fonctionne. Sauf au corps à corps, où là, le problème des techniques comme ça, c'est souvent fin de zone, où il y a ce petit combat au corps à corps, où les personnes ont tendance à se faire un petit peu avoir, justement, quoi. Donc, voilà. C'était... bah, j'en fais... on en refera une plus tard. On en refera une à un autre moment. Mais c'était rigolo quand même.